Bonsoir les Itatas, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ces affaires nous. Nous recevons ce soir un homme qui connaît la Martinique sous tous les angles. Bonsoir Jean-Philippe Valard. Bonsoir Monsieur Cromwell, et bonsoir téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Alors quand je dis que vous êtes un homme qui connaît la Martinique sous tous les angles, bon, vous confirmez? J'essaie au maximum, je la découvre. C'est vrai que je suis curieux, donc je vais à la recherche de nouvelles choses tout le temps, régulièrement. Alors, je précise que les angles, je parlais non seulement des angles et des différentes facettes de la Martinique, mais aussi des angles photos. Voilà. Puisque vous êtes avant tout photographe. Voilà, exactement. Et c'est vrai que l'angle de vue en photo, c'est vrai que c'est important. Et vous avez, c'est aujourd'hui votre activité professionnelle, votre activité principale. Alors, c'est devenu aujourd'hui, oui, devenu mon activité principale, oui. Alors, on va voir à travers les différentes photos que vous nous avez transmises que vous faites beaucoup d'autres choses. Et on commence par votre parcours personnel, Kim Nouyé. Alors, Jean-Philippe Ballard, qui est-ce? Si vous deviez vous décrire, présenter l'homme. Alors, je dirais que je suis quelqu'un de passionné, beaucoup autodidacte, qui aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et voilà, ça a été le cas pour la photo, mais pour plein d'autres choses également. Vous diriez que vous avez eu un parcours très, très varié? Oui, exactement. Oui. Et c'est vrai que dans mon parcours varié, j'ai voulu chercher à découvrir de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses et voilà, foncer. Et voilà. Alors, on n'a pas de photo de vous tout petit ou bébé, mais par contre, on a une photo sympathique pour démarrer, qui est une photo du jeune, de l'enfant même, Jean-Philippe Ballard. Voilà. Ben oui, c'est vrai que là, c'est moi en judoka. J'ai fait près de 6 ans de judo au judo club de Chelcher. Voilà, quand j'ai commencé, j'étais au primaire et mon père m'a inscrit au judo et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai dû arrêter parce que j'ai quitté un moment la Martinique. Mais c'était quelque chose d'une belle expérience et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que je crois aussi, selon mes souvenirs, qu'on m'a inscrit aussi pour essayer de me rendre un peu plus calme. J'étais quelqu'un d'assez plus ou moins agité et c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit, les sports de combat calment en fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Le judo vous a canalisé? Voilà, exactement. Oui. Ça m'a beaucoup calmé, canalisé. Et puis, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre, de découvrir certaines choses, d'être patient à certains niveaux. Alors là, vous aviez quoi, une dizaine, une douzaine d'années? Oui, à peu près une douzaine d'années, oui. Et avant ça, l'enfant Jean-Philippe Ballard était comment? Ben, qui voulait découvrir tout, entre autres avec ses parents, qui était souvent avec maman dans la cuisine pour voir comment elle faisait ses repas et tout, et apprendre. Avec papa aussi, au niveau du bricolage, au niveau de la mécanique, enfin, à tous ces niveaux-là. Donc voilà, j'étais souvent avec eux. Vous avez grandi dans quelle commune? À Chelcher. À Chelcher. Chelcher, les souvenirs de Chelcher que vous avez de cette période de l'enfance? Ben, très bons souvenirs. Après, c'est vrai qu'on parcourait beaucoup la Martinique avec la famille, on découvrait la Martinique. Donc voilà, j'ai connu ma commune très bien et puis j'ai commencé à apprendre à découvrir le reste de la Martinique. Alors vous parliez de la famille, on va voir cette photo qui est très importante, non seulement pour vous bien sûr, mais également pour comprendre un peu le parcours que vous avez eu par la suite. On voit 5 personnes sur cette photo, dites-nous. Alors de gauche à droite, ben, y a ma mère, ensuite mon père. Ensuite, ma marraine, qui était aussi la sœur de ma mère. Et juste à côté, mon frère, qui est très important pour moi et qui a toujours été très important pour moi, et mon oncle. Donc, ce sont des personnes qui ont eu une très, très grande importance dans ma vie, dans mon épanouissement, dans tout ce que j'ai appris. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ma mère, ben, j'ai appris plein de choses avec elle. J'ai appris la cuisine, mais elle faisait de la couture. La couture, oui. Voilà. Ce qui est assez rare pour un homme. Voilà, exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de coudre. Il m'est même déjà arrivé de coudre des choses dont j'ai besoin moi-même. Et on va le voir tout à l'heure à travers certaines photos. Effectivement, la couture, ça vous a marqué. Donc ensuite, mon père, ça a été plein de choses. Ça a été le bricolage, ça a été la mécanique, parce qu'il faisait certaines choses sur son véhicule seul. Ça a été aussi la photo. Par la suite même, il a fait un petit peu de vidéo quelques années après. Ma marraine, elle m'a apporté aussi beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir comprendre certaines choses de la vie. Mon frère, ben, on s'est toujours super bien entendu. Aujourd'hui, ben, on a même certaines activités ensemble. On se soutient beaucoup. Oui, parce que vous êtes musiciens tous les deux. Voilà, on est musiciens. Donc lui est bassiste. Il a commencé la musique après moi. Et moi, je joue de la batterie, un peu de batterie, percu, tout ce qui est cajon.
Il n'y a pas longtemps encore, on était en train de jouer ensemble, parce qu'on joue quelquefois dans certaines églises, certaines... Bon, pas que, mais voilà. Donc, et on se soutient beaucoup, beaucoup dans nos projets, dans ce qu'on veut réaliser, etc. Et mon oncle, qui aussi, lui, m'a apporté énormément, parce que lui aussi m'a appris certaines choses, que ce soit en mécanique, que ce soit en photo aussi, beaucoup en photo, et dans plein d'autres domaines. Et c'est des personnes, en fait... Ce qui est vraiment très, très important et vraiment très agréable, c'est des personnes qui croient en nous, enfin, qui ont toujours cru en moi, qui sont là, qui ont toujours, nous ont toujours supportés, encouragés, que ce soit le chemin qu'on décide de prendre, que ce soit ce qu'on a envie de faire, et nous montrer, en fait, que tout est possible. Et c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup retenu, c'est-à-dire que pour eux, il n'y avait rien de possible, que ce soit, ne serait-ce que réparer, faire une modification chez soi, mettre du carrelage, enfin... Que ce soit ce genre de petites choses, on va dire manuelles, c'était possible. Quand on parle d'influence familiale, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vraiment eu une très grosse influence, enfin, oui. Deux très grosses influences, voilà, familiales. Exactement. Oui, exactement. À travers ces cinq personnes qu'on, voilà, voit sur cette photo. Oui. Il y a combien d'écart entre votre frère et vous ? À 4 ans. D'accord. Voilà. Donc vous êtes le petit ? Non, je suis le grand. Ah, vous êtes le plus grand. Voilà, d'accord, très bien. Très bien. Et... on parlait de la photo, puisque c'est votre activité principale aujourd'hui. Et là, votre père et votre oncle sont les deux personnes qui vous ont vraiment initié à la photo. Oui, parce que c'est vrai qu'il faisait de la photo en plus de tout ce qu'il faisait d'autre. Et mon père avait même un petit labo à la maison, parce qu'en ce temps-là, c'était de l'argentique. Et m'a même initié au... Argentique, on va dire que c'était la photo traditionnelle, voilà, avant que le numérique n'arrive. Voilà, avec, voilà, les pellicules et tout. C'est ça. Et la petite chambre noire où on développait les photos. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir ça avec lui. C'est quelque chose que j'ai abandonné après, mais que j'ai repris, que j'ai un petit peu abandonné, que j'ai repris. Donc voilà. Et juste une question comme ça, vous préfériez l'argentique ou le numérique vous va aussi ? Le numérique est très bien pour certaines raisons et très pratique pour certaines raisons. On gagne du temps ? Voilà, on gagne du temps. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu techniquement, avant, quand on mettait une pellicule avec un nombre d'ASA, on appelait ça ASA avant, on ne pouvait pas la changer. Si on avait mis une pellicule avec 400 ASA, on restait avec. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, par exemple, on peut changer ça à volonté. Tout ce qui est sensibilité, voilà, tout ce qui est précision, voilà, exactement, etc. Très bien. On va voir une autre photo, Jean-Philippe. Donc là, vous êtes un petit peu plus grand. Et là, c'est le camping. Voilà. Alors, cette photo-là, j'ai beaucoup aimé. C'est le camping. Pourquoi ? Alors, c'est une des choses aussi que nos parents nous ont... fait partager, c'est-à-dire qu'on a campé avec eux. Là, je ne me rappelle plus si on était encore là ou pas, mais c'est quelque chose qu'ils ont continué à faire et qu'on a vécu avec eux. On a campé entre autres. Ça, c'était les bonnes vieilles tentes d'avance. Voilà, exactement. On a même connu une année, je ne me rappelle plus quel cyclone c'était, où on avait campé, et puis au bout de 3 jours, heureusement qu'on écoutait la radio régulièrement, on a dû, ce qu'on appelle, décamper. Voilà. Oui, on a dû tout ranger, partir, voilà. Mais c'était une belle expérience, parce qu'en plus, autre chose que mon père et mon oncle auxquels m'ont initié, entre autres pendant les campings, c'est la chasse à plongée sous-marine, en fait. Voilà. Donc, c'est encore autre chose. Et puis, j'aimais, quand ils partaient comme ça le matin, faire de la chasse plongée sous-marine, ils ramenaient du poisson qu'on mangeait justement sur le camp. Le camping, c'était en général où, dans quel camping ? Alors, entre autres, à Font-Moustique. À Sainte-Anne, donc. Voilà, à Sainte-Anne. Et bon, c'était pas la Font-Moustique qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, et la route très chaotique, il fallait prendre le temps pour y arriver. En fait, quand on arrivait juste à l'entrée, et voilà, c'était ce coin-là. Et ce rapport à la nature, vous l'avez vraiment découvert à travers le camping, ou vous étiez déjà quelqu'un de très passionné par la nature? On va voir que sur les photos, on retrouve beaucoup, beaucoup de références à la nature. Ben, je pense que j'étais déjà sensible. Je pense que mes parents, et entre autres mon père, mon oncle, m'ont beaucoup sensibilisé à ça, par les photos, par le fait d'aller, de me montrer comment faire certaines photos. Donc voilà, ils m'ont sensibilisé un peu à tout ça. Je crois entrevoir une coccinelle, voilà, derrière la tente. Exactement. Ça nous renvoie à une époque, effectivement, que certains ne connaissent pas, d'ailleurs. Voilà. Bon. Et pour revenir à ce rapport à la nature, vous avez parlé de chasse, de pêche sous-marine, mais toujours dans le respect des espèces. Oui, voilà, exactement. C'est aussi exactement comme ça qu'on apprend à découvrir, entre autres, la chaîne. Voilà, exactement. Et puis, il y a Font-Moustique, il y a un coin aussi avec une mangrove. Enfin, il y a tout ça voilà, auquel on nous a initiés, appris, montrés. Alors, on voit une autre photo qui, là, est un petit peu plus sérieuse.
enfin plus sérieuse, en tout cas qui rappelle peut-être une période qui n'a peut-être pas toujours été très, très distrayante, c'est le service militaire, ou celle où on apprend la vie, pareil. Voilà. Enfin, celle où ceux qui ont eu le temps de faire leur service militaire ont appris la vie. Puisque c'est vrai que ça n'existe plus, enfin, ça a été supprimé. Ouais. Alors j'avoue que quand j'ai su que je devais faire mon service, j'avais pas du tout vraiment envie d'y aller. Mmh. J'avais, franchement, je cherchais à savoir comment faire pour pas y aller. Et au final, quand j'en suis sorti, j'étais vraiment content. Ça veut dire que ça a été quand même un bon moment. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mes classes, hein, comme tout le monde. J'avais apparemment un bon dossier à la base quand je suis entré, quand j'ai passé les tests. Et donc, du coup, on m'a mis ce qu'on appelle le PEG, donc peloton d'élève gradé. Donc, où j'ai pu passer ce peloton d'élève gradé et devenir caporal. Oui, donc ça facilite les choses. Voilà. C'est moins compliqué après. Exactement. On n'est pas soldat. Voilà. Voilà. Donc on souffre bien pendant un mois, deux mois, enfin un mois de classe et un mois de PEG. Mmh. Et le reste, on est plutôt. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des bureaux. J'ai failli être à l'infirmerie aussi, parce qu'on m'avait proposé d'être à l'infirmerie. Et puis, ça s'est fait en Martinique. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça m'a appris certaines choses. Ça m'a. Enfin, je l'étais déjà un peu, mais c'est vrai que j'ai vu des jeunes qui étaient un peu moins hommes encore et qui sont sortis de là un peu plus. Oui, ça a rendu aussi. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Finalement, je n'ai pas regretté, puis j'ai appris plein de choses. On apprend aussi la discipline, entre autres. Voilà, exactement. Même si, en général, bon, l'éducation des parents de cette époque-là était déjà assez, voilà, assez exactement. Stricte. Mais, oui. Exactement. Voilà. Et c'est une période qui vous a vraiment permis de passer à l'étape adulte. Pour moi, oui, entre autres. Et puis même au niveau du travail, puisque je suis sorti avec un certificat parce que j'étais au secrétariat. Donc ça faisait déjà partie de choses qui me permettaient de rentrer un peu plus facilement dans le monde du travail après avoir passé mes diplômes. Alors on a évoqué la musique déjà tout à l'heure en parlant de votre frère. On va voir la photo qui illustre un petit peu le musicien que vous êtes. Mmh. La batterie, pourquoi le choix de la batterie ? C'est un instrument qui m'a toujours attiré depuis petit. Et pas que la batterie, mais tout ce qui est batterie, percussion, tambour. J'avais commencé aussi à apprendre à jouer au tambour belay. Et c'est un instrument qui m'a toujours attiré. Et voilà, que j'ai commencé quand je suis parti là-bas en France, je me suis acheté une petite batterie d'occasion pour presque rien, pour apprendre à commencer à jouer. Et quand je suis revenu ici, j'ai cherché un professeur et j'ai commencé à prendre quelques cours. Comment on gère le bruit ? En mettant simplement des boules caisses ou bien on s'y habitue ? On s'y habitue. Après, c'est vrai qu'il y a les boules caisses. Après, le bruit est plus gênant pour les autres. Oui, tout à fait. Voilà. Quand on est dans son trip, voilà, c'est ça. Après, maintenant, il y a les batteries électroniques pour travailler à la maison sans gêner personne. Mais voilà, c'était plus la gêne était plus pour les autres. Quand je suis revenu ici, j'avais la chance d'avoir eu une petite pièce chez mes parents dans laquelle je pouvais mettre la batterie, installer la batterie, puis commencer à continuer à travailler avec. Donc voilà. Cet attrait pour la musique, il est né à quel moment chez vous ? Je pense qu'il est né assez jeune. Je pense qu'il est né, je devais être peut-être CM2 ou 6e. Mmh. Parce que je pense aussi que c'est un peu dû au fait que mon père écoutait à la maison toutes sortes de musiques. Que ce soit le compas, le zouk, enfin, la salsa, enfin, il aimait vraiment toutes sortes de musique. Mmh. Et c'est vrai que ça développe. Il avait une super chaîne IFI, donc on avait un très beau son à la maison. Et donc ça développe une certaine écoute, un certain attrait, hein, pour la musique. Et c'est vrai que c'est dans les morceaux que j'entendais, c'était cet instrument-là qui m'attirait. Donc dans un premier temps, ça a été d'abord pour vous faire plaisir, pour pratiquer en fait. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez par la suite réalisé des prestations, créé des petits groupes ou participé à des petits groupes ? Alors oui, avec mon frère entre autres, on a créé des petits groupes, on a joué. Le frère, voilà, comme d'habitude. Surtout que la basse et la batterie, ce sont deux instruments qui se complètent très bien. Mm-hmm. Donc on était souvent, quand on jouait en symbiose, en harmonie, après avec d'autres amis. Donc on a eu l'occasion de jouer à des mariages, que ce soit au moment de la fête le soir, que ce soit aussi à l'église. Voilà, donc on a eu l'occasion de faire quelques prestations. Et encore aujourd'hui, il nous arrive de jouer. Je n'ai plus de batterie, je me suis fait un petit set cajon, caisse claire, enfin un truc un peu plus léger. Le cajon, c'est la caisse en bois sur laquelle on s'assied, on peut jouer avec les mains. D'accord. Mais voilà, on peut le compléter avec, on peut compléter avec d'autres instruments, en fait, une caisse claire, enfin, quelque chose qui va se rapprocher d'une batterie sans être vraiment une batterie. Ça permet, un, de se déplacer, de jouer avec un son un peu plus feutré, moins fort. Donc, et ça me ressemble beaucoup plus, en fait.
La musique, c'est vraiment un plaisir, c'est un exutoire. Qu'est-ce que ça représente pour Mais vous? c'est ça, c'est un plaisir, c'est un exutoire, c'est... Se libérer du stress. Oui, voilà. Et puis des fois, on entend des morceaux, on a envie de jouer, on a envie de le rejouer, de s'amuser dessus, d'inventer de nouveaux rythmes, voilà quoi. Et là, vous continuez à jouer régulièrement, Alors, y compris dans des prestations ou pas? régulièrement, non. En fait, je fais partie normalement d'une chorale à Schœlcher aussi, où je, voilà, il m'arrive de jouer. J'ai un peu levé le pied parce qu'il y a eu le Covid et que j'ai préféré faire attention parce que c'est quand même, ça reste quand même des espaces un peu clos entre la chorale, les musiciens et Bien tout. sûr. Donc, vu ce qui est en train de se passer, peut-être que ça va repartir. Mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce qu'avec cette chorale-là, je joue régulièrement. Et avec mon frère aussi, ça arrivait qu'on joue assez régulièrement ou qu'il m'appelle quand on cherche un batteur ou un percussionniste. Quand on vous entend parler, on a l'impression que vous ne vous ennuyez jamais, en fait. Vous avez toujours quelque chose qui vous occupe, qui vous passionne. Oui, exactement. Des fois, il faut même faire un choix. Voilà, il faut faire un choix parce qu'il y a plein de choses qui nous viennent. Enfin, j'ai plein de choses qui me viennent, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Après, il faut pouvoir faire un choix dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Alors, on va terminer cette séquence kimonouillée avec. On va retrouver votre oncle de mémoire sur la photo suivante. Et cette photo, vous avez voulu qu'on voie votre oncle seul parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup accompagné dans beaucoup de vos passions, en fait. Oui, et qui encore aujourd'hui m'accompagne, ou encore aujourd'hui, quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin de voilà, parce que mon père n'étant plus là, ma mère non plus, pour moi, c'est comme un deuxième père, en fait. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il m'accompagne. Et si j'ai besoin de conseils, que ce soit, je l'appelle, je vais le voir, j'en discute avec lui. Et donc voilà, et là, c'est vrai qu'il c'était à la maison, il était venu avec un appareil, un Nikon, réflexe, argentique, avec l'objectif qui va avec. Et voilà, c'était un vrai bonheur quand il venait à la maison, parce qu'il venait régulièrement, et nous faire découvrir de nouvelles choses. Ça pouvait être la photo, mais ça pouvait être encore plein d'autres domaines, l'électronique, enfin voilà. Mais justement, aujourd'hui où lui aussi a pris de l'âge, hein, comme nous tous, quels sont vos échanges? Vous parlez de quoi? Vous faites quoi ensemble? Ben, des échanges, c'est surtout, ça peut être sur la photo, ça peut être sur le dernier appareil que j'ai vu, voilà, savoir qu'est-ce qu'il en pense, ça peut être sur dans d'autres domaines, ou ça peut être aussi des domaines personnels, si quelque chose, par exemple, si j'ai envie de faire une modification chez moi et que je ne sais pas quelle technique utiliser, parce que voilà, je vais échanger avec lui, parce que lui, il s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, à beaucoup de connaissances, et donc, et comme je disais, lui, pour lui, c'est possible. Et voilà. Alors, on l'a vu, c'est grâce à lui et à votre papa que vous en êtes venu à la photo. Donc, la deuxième partie qu'on va voir maintenant, la partie matinée, qu'on va découvrir toute une série de clichés. Je vous encourage, mesdames, messieurs, à regarder toutes ces photos qui sont magnifiques et on les découvre à travers la rubrique matinée. Alors, on ne va pas parler photo tout de suite, parce que avant la photo, j'allais dire, avant la photo en professionnel, vous avez eu une vie professionnelle, une Voilà, autre vie professionnelle. exactement. Qu'est-ce que vous avez fait avant ça? J'ai travaillé dans le commerce parce que à la base j'ai passé un diplôme, enfin plusieurs diplômes en comptabilité et mon rêve ça avait toujours été de travailler en informatique, donc tout ce qui est analyse programmée en micro. Donc j'ai Là fait encore, une on retrouve l'influence voilà, du père exactement. et de l'oncle. Hein. Exactement. Et j'ai passé un diplôme en tant qu'analyste programmée en micro, mais en cherchant du travail, à cette période-là, j'étais en France, j'ai trouvé un emploi dans un magasin, une grande enseigne, hein, qui proposait un poste de vendeur informatique. Donc je me suis dit, j'ai des connaissances en informatique, c'est quelque chose qui me passionne, pourquoi pas? Et du coup, je me suis retrouvé dans ce magasin avec, il y avait peut-être deux CD-ROM qui se battaient en duel dans le rayon, et j'ai dû construire tout ce rayon-là, c'est-à-dire référencer de nouveaux produits, de nouveaux CD-ROM, des ordinateurs, enfin voilà. Donc j'ai créé de toutes pièces tout ce rayon informatique-là. Et vous avez, par la suite, ça vous a permis d'ailleurs, en revenant en Martinique, parce que là vous étiez en France à ce moment-là, Voilà. en revenant en Martinique, de continuer un peu dans ce domaine. Voilà, exactement. Donc, j'ai continué dans ce domaine. J'ai été technico-commercial, mais ça ne m'a pas beaucoup plu. Et j'ai travaillé entre autres à Libri Antillaise, où j'ai fait près de 10 ans, en tant que, au début, vendeur, mais rapidement en tant que chef de rayon.
dans des rayons aussi divers que la papeterie, que l'informatique aussi. Mmh. Donc voilà. Pas la photo, on vendait pas l'appareil photo non. à l'époque à la Végoué Antillaise. J'ai bien voulu, mais c'était pas, voilà. Malheureusement, non. Et la bascule vers la photo en tant que métier, en fait, en tant qu'activité principale, elle se fait à quel moment? Alors, elle s'est faite parce qu'à un moment, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Griffard, que j'ai fermée depuis. Mmh. C'était une entreprise, justement, où la photo avait une grande partie, puisque dans cette entreprise, c'était du conseil au niveau des toutes petites entreprises et des artisans. Et dans ce conseil, je proposais aussi des services comme de l'infographie, mais comme de la photo, parce que je m'étais rendu compte que beaucoup d'artisans avaient du mal à trouver, à faire de belles photos de leurs produits, parce que ça s'apprend. Mmh. Certains le font avec un téléphone. Et donc, pour moi, c'était important de leur proposer ce service-là pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs produits sur leurs réseaux sociaux, sur des affiches, etc. Et puis, l'avantage aussi, c'est que de pouvoir faire les photos et d'être en même temps infographie, ça permet de savoir quelles photos qu'on a besoin pour réaliser une affiche, un flyer ou quelque chose comme ça. Et vous avez par la suite élargi votre spectre, je dirais, de photographe, parce qu'on va voir que vous êtes passé de ces photos, on va dire, un peu commerciales à des photos d'art, hein, clairement, voilà, on peut le dire. Hein. Oui, oui. On peut le dire. Oui. Et ce goût pour la photo d'art, pour le, je dirais, la précision, la beauté, en fait, clairement, en photo, il vous est venu à quel moment? Je pense que c'était déjà là, mais que je ne vous ai pas laissé s'exprimer, en fait. Je faisais beaucoup de photos de plein de choses, d'événements, de choses comme ça, de notre patrimoine, du carnaval et tout. Mais le côté artistique, je le voyais sur Internet, mais je n'osais pas forcément y aller, oser y aller, quoi. Donc, Alors, on va commencer notre petit diaporama, Jean-Philippe, et on va vous inviter à commenter ces différentes photos. Et on commence avec une... Pour moi, c'est un tableau, quoi, cette photo. Elle est extraordinaire. Alors, cette photo, elle a été prise à Balata. Et c'était dans le cadre, en plus, d'un cours avec mes élèves, parce que je suis prof de photo aussi. Mmh. Et voilà, c'est une photo où on voit cet arbre à travers cette fenêtre. Et puis, j'aime beaucoup aussi ce côté mur, pierre, authentique, un peu ancien. D'ailleurs, dans mes photos, j'aime beaucoup ce côté aussi intemporel. C'est-à-dire qu'on peut être amené à se demander, mais ça date de quand? C'est quand a été prise cette photo, en fait? Et là, clairement, on a l'impression d'être devant un tableau, en fait, parce qu'on voit l'arbre à travers cette espèce de fenêtre ou meurtrière, je ne sais pas précisément ce que c'est, mais là, on sent vraiment la recherche esthétique. Oui, voilà, exactement. Et j'avoue que je travaille beaucoup mes photos aussi en fonction de ce que je veux faire ressortir, ce que je vais donner comme sensation, comme ressenti, en fait, à la personne qui va la regarder. Et honnêtement, vous les retouchez, vos photos, quand même? Alors, elles ne sont pas retouchées, elles sont traitées. Mm-hmm. Traitées, c'est-à-dire que je vais jouer sur certains contrastes, je vais jouer peut-être sur la lumière, sur la colorimétrie. Mais voilà, c'est du traitement, en fait. Voilà. Ouais. La photo suivante aussi, en matière de retranscription, pas de retranscription, mais de révélation de la nature, elle est extraordinaire, celle-là. Ces espèces de racines invasives qui ont carrément happé une habitation, une ancienne habitation. Voilà, qui n'existe plus parce que c'était un petit bout, ils ont tout écrasé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé voir ce côté, cette porte qui restait entr'ouverte et autour desquelles les racines ont envahi, en fait, tout ça. Et c'est vrai que j'ai voulu la mettre en noir et blanc parce que je trouvais qu'elle ressortirait beaucoup mieux, qu'elle aurait plus cet effet un peu, j'allais dire grave, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais, mais elle pourrait très bien figurer dans une scène de beaucoup de films qu'on a appréciés, des films d'époque, etc. Aussi bien Le Seigneur des Anneaux que Game of Thrones ou autre. Voilà, quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça aussi que j'aime dans mes photos, c'est de donner... à réfléchir, à voir au-delà et puis à imaginer. Donc voilà, quand vous me parlez de ça, c'est la personne qui peut regarder cette photo va imaginer qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé derrière cette porte, où est-ce que ça se trouve, voilà. Et vous-même, quand vous trouvez des pépites comme ça, parce que ce sont des pépites, hein, vous vous dites qu'est-ce qui a pu se passer là, qu'est-ce qui s'est passé derrière cette porte, que la nature a envahi, comment c'était il y a 300 ans. Voilà, exactement. Et puis, comme quoi, la nature ici cherche à reprendre ses droits, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Alors, la nature reprend ses droits et les cases vieillissent aussi, comme on va le voir sur la photo, sur la photo suivante. C'est typiquement, je dirais, la case à l'antillaise. Oui, voilà. Mmh.
Donc, il se trouve du côté de Sainte-Marie. Et c'est vrai que j'étais en train de visiter avec le petit train là, qui se trouve à Sainte-Marie au niveau de l'habitation. Et j'ai trouvé cette case vraiment authentique. Et je l'ai travaillée aussi au niveau de la colorimétrie, au niveau de tout. J'ai fait un travail dessus pour la rendre encore plus authentique. Et c'est vrai qu'apparemment, il y a encore beaucoup de cases comme ça en Martinique. Et il y en a même qui sont encore habitées. Hein, voilà, clairement. Exactement. Et comment est-ce que vous vous y prenez, en fait, pour partir à la recherche de ces images et de ces éléments qui sont, enfin, qu'on ne peut pas trouver tout le temps, partout, facilement? Donc, ça veut dire que vous fouinez beaucoup? Alors, pas spécialement, pas suffisamment. J'aurais aimé fouiner plus. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, je pars avec mon appareil. Hein, et puis, voilà, si ça se trouve devant moi, je vais saisir le moment. Ce qui se passe aussi, c'est que dans certaines photos, ce sont des choses que tout le monde voit, devant lesquelles tout le monde passe, mais qu'on ne fait pas forcément attention. Et ça aussi, c'est dans ma nature aussi de vouloir montrer, ben, vous passez devant tout le temps, mais vous n'avez peut-être pas vu ça comme ça. Mmh. Donc on parlait d'angle de vue tout à l'heure, mais c'est une façon de voir les choses que j'essaie de montrer, de donner un autre angle de vue. Oui, parce que peut-être que cette photo prise de l'autre côté de la case, elle n'a pas le même rendu. Voilà, exactement. Parce que peut-être parce qu'il y aura un arbre devant ou quelque chose. Et voilà. Ça aussi, c'est le flair du photographe. Oui, voilà. Il se déplacer aussi. Encore une fois, l'angle de vue, c'est se déplacer, trouver le bon angle, savoir qu'est-ce qu'on va photographier, parce que je n'aurais pu aussi photographier qu'une partie de cette case-là et puis montrer encore autre chose sur cette case-là, en fait. La photo suivante, là, on est plutôt sur... sur une maison de type colonial, avec une magnifique façade. Et là aussi, c'est... Mais beaucoup de Martiniquais sont passés devant. Alors souvent, je demande, quand je rencontre des personnes qui voient cette photo, ils me demandent d'où c'est. Souvent, certaines personnes me disent c'est à Fort-de-France. Et en fait, c'est à 15 pilotes. Et c'est vrai que beaucoup de personnes passent devant sans faire attention. Et là encore, j'ai voulu la montrer différemment. La photographier aussi, le côté authentique. Sans prendre certains éléments qui nous rappellent qu'on est en 2000, voilà. Oui. Mais voilà, donner ce sentiment qu'on est à une autre époque. Et cette maison, elle existe encore dans le bourg de Castelot? Oui, voilà, elle est juste avant la mairie. Voilà, juste au niveau de la grande place. Et maintenant que vous le dites, effectivement, je vois. Voilà. Et là, le choix de l'angle, le choix de prendre la façade comme ça, de façon, je dirais, profonde, pour faire justement ressentir la profondeur, ça vous permet de faire ressortir quoi? Alors là, c'est un peu... Parce qu'on aurait pu imaginer, la simplicité aurait été de la prendre de face. Sauf que là, vous avez choisi de la prendre en profondeur. Voilà. Parce que j'ai voulu donner cet angle-là, déjà, de un. Ensuite, il y a des choses que je n'ai pas voulu laisser paraître, qui pourraient montrer que c'est notre époque. Et en même temps, j'ai pris cet angle-là parce qu'on voit cette première façade-là, mais on voit en même temps la deuxième façade juste à côté, qui est aussi authentique. Et sous un autre angle, je n'aurais pas pu les prendre toutes les deux. Si on regarde bien tout au fond, on commence à percevoir qu'on est en 2000. Mais les deux premières façades, je voulais absolument les prendre en même temps et puis créer un peu cette ligne de fuite, en fait, au niveau de la photo. En fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi prof de photo, professeur de photo, voilà. Notamment au Centre culturel du Bourg du Lamantin. Exactement. Est-ce que ce type de photo-là vous permet d'expliquer à vos élèves ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire? Oui. Alors, ce type de photo, oui. Après, c'est vrai que je ne leur montre pas trop. Enfin, ils voient mes photos sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais les exercices que je fais avec eux leur permettent justement d'avoir cet autre regard. C'est-à-dire que quand je donne des cours, j'explique la technique, j'explique l'utilisation d'appareils et différents réglages. Qu'ils arrivent à régler leur appareil correctement, mais en même temps, je leur apprends à avoir un autre regard sur les choses. Il y a des techniques en photo, comme les lignes de fuite, ce genre de choses. Donc, il y a des séances où on va travailler certains points précis, certains exercices bien précis pour qu'ils puissent le développer. Comme j'explique souvent, c'est comme conduire aujourd'hui. Quand on a commencé chacun à conduire, on s'est posé des questions. Est-ce que j'embraye? Alors, je passe la vitesse, etc. Donc, je leur donne des exercices qu'ils puissent apprendre à avoir des automatismes par la suite. Voilà.
Et on précise d'ailleurs que vous avez inauguré il y a une quinzaine de jours voilà, une exposition au Centre culturel du Bourg. Alors je ne sais pas si quand l'émission va passer, ce sera encore l'exposition sera encore là. Mais bon voilà, vous pouvez passer faire un tour au Centre culturel du Bourg si vous voyez de belles photos. Ce sont les élèves de Jean-Philippe Ballard. On continue notre diaporama avec une autre façade qui est très typique de chez nous. Le garage avec les feuilles de tôle. Voilà, la porte de garage avec les feuilles de tôle. Ça aussi, c'est vraiment profondément martiniquais. Quoi. Oui. Enfin, peut-être pas que martiniquais, oui, mais chez nous, ça se retrouve beaucoup. Voilà. Et cette photo-là a été prise à Fort-de-France. Et en plus de la feuille de toile, en fait, ce que j'ai mis, c'est le contraste avec cette boîte aux lettres bleue qui contraste parfaitement avec la couleur rouge des toiles en fait, de ce garage. Et ça, bon, on en voit encore beaucoup, notamment en commune et puis dans certains quartiers de Fort-de-France. Mais comment vous faites pour vous dire... Je peux tirer quelque chose d'artistique de cette vue-là. En fait, à force de travailler, à force de faire des photos et de se promener, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur les choses. Ça veut dire que ce que quelqu'un va déambuler, par exemple, à Fort-de-France, moi, ce que je vais observer, voir, va m'interroger, en fait. Et je vais me dire, mais tiens, ça a l'air intéressant. Tiens, cette boîte aux lettres en bleu. En plus, elle n'est même pas homologuée. C'est les anciennes boîtes aux lettres plates. Oui, parce que les photos toutes ces photos-là sont assez récentes. Oui, cette photo-là, voilà, exactement. Elle doit avoir celle-là. Elle a peut-être 3 mois et encore, c'est même pas sûr. Et c'est ce regard-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu vois là? Je ne vois rien. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a là. Et c'est vrai que c'est ce regard-là qui va mettre en valeur. Et après, il y a tout, l'angle de vue, le réglage, le traitement qui va jouer. Et il y a non seulement ce qu'on voit, ce qu'on peut ressentir, mais il y a aussi, on imagine le bruit de la porte de garage en tôle, comme ça, qui s'ouvre. Quoi. On sait que c'est assez bruyant. Voilà. Et c'est vrai qu'on ressent cette ambiance-là. Oui, voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très artistique, en fait, de pouvoir faire dégager ça à travers des photos comme ça. C'est vrai que c'est faire parler la photo, en fait, c'est bien ça. Alors, on laisse tomber les façades, on va aller voir une vieille machine. Moi, je l'ai appelée vieille machine, la photo, parce que c'est... je ne sais pas si c'est une ancienne machine Enfin, vous allez nous décrire, ça. Alors, ce type de photo, j'aime énormément faire ce type de photos. Ce sont des photos qui, en général, sont prises dans des anciennes usines. Oui. Usines de sucre, usines de rhum. On a l'impression que c'était pour presser de la canne, non? C'est pas ça. C'est possible, oui. Ouais. Je crois que celle-là, elle a été prise à Tartane. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai une belle série parce que j'aime ces pièces-là. J'aime les pièces un peu vieilles, rouillées, qui racontent une histoire aussi. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, quand je prends ces photos-là, je me demande mais comment c'était, quand ça fonctionnait, à quoi ça servait, quel bruit ça faisait. Elle parle. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de photos-là. J'en ai fait quelques-unes. Des fois, quand je vais dans une usine, ne serait-ce que me promener et tout, j'en fais plein. Et après, je les choisis. Et c'est vrai que je les traite aussi de façon différente parce que j'aime faire aussi ressortir cette matière, ce métal un peu rouillé, ce côté un peu brut, un peu légèrement froid. Enfin, voilà. Et le fait de la traiter en noir et blanc, par exemple, ou en tout cas en sépia, on peut dire parfois aussi, ça apporte quelque chose de plus, selon vous. Oui. Une photo comme ça, j'ai légèrement laissé un peu de couleur, pas trop. Mais on a l'impression de deviner des tons de vert. Voilà, exactement. Oui. Et puis, j'ai accentué un peu beaucoup tout ce qui est, alors, j'allais dire détail, en fait, pour faire ressortir justement la matière, le métal. Voilà. Et une question toute bête, mais c'est surtout pas, faut surtout pas nettoyer la machine avant. Il faut la prendre en état. Exactement. Il ne faut surtout pas la nettoyer. S'il y avait, je sais pas moi, des vieilles herbes en plus qui ont poussé dessus, encore mieux. Il faut que ça reste authentique. Il ne faut surtout pas toucher. Exactement. Alors, on reste dans le domaine de l'usine avec la photo suivante, qui est très familière au Martiniquais. La colonne de distillerie. Enfin, je crois que c'est comme ça voilà, qu'on l'appelle. Exactement. Hein. Oui, voilà, exactement. Oui. Et là, alors, on va dire que c'est plus classique dans notre culture, dans ce qu'on voit, pour ceux qui ont eu la chance de visiter une distillerie. Mais la volonté de la prendre en contre-plongée, par exemple, là, c'est-à-dire de bas en haut, oui, voilà, c'est ça. Percevoir. C'était, en fait, c'est vrai que c'était une façon de vraiment essayer de la prendre dans toute sa longueur, montrer les différentes
j'ai envie de dire rainure, enfin, niveau en fait de cette colonne. Donc c'était ça. Et c'est vrai que encore une fois de plus en photo, l'angle de vue important, c'est que là l'appareil est carrément au sol. Et tout à l'heure vous parliez du réflexe d'avant. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des appareils avec des écrans pivotables, ouais. Donc ça permet d'avoir des angles de vue qui sont encore top, parce que moi j'ai connu quand je faisais avec de l'argentique, où si on avait besoin de faire une photo en hauteur, il fallait plus ou moins juger, on n'avait pas d'écran pour voir que ça donnait. Donc on en faisait 3-4 en espérant que dans les 3-4, il y ait une de bonne. Là, on a de la chance d'avoir des écrans orientables. Et là, c'était vraiment l'objectif de la prendre dans toute sa longueur, en fait. Et vous ressentez, j'allais presque dire, les âmes quand vous photographiez. Alors là, en l'occurrence, je pense que c'est une colonne qui est encore en fonctionnement. Oui. Et par exemple, avec la vieille machine de tout à l'heure, vous ressentez, vous avez l'impression que ces machines-là sont encore habitées? Oui, pour moi, oui. Alors, ce n'est pas Diabgada. Non, non, mais oui, pour moi, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'essaie de ressentir même qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé en ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, c'est... Oui. Alors, on change de registre avec une photo qui va être très familière à beaucoup de Martiniquais. C'est le clocher de la cathédrale de Fort-de-France, je pense, c'est bien ça. Oui, la cathédrale même qu'on voit presque en entier. Voilà. Bon, elle est classique, mais là aussi, le choix de l'angle, l'inclinaison de la photo, et puis le traitement en noir et blanc aussi. Voilà, exactement. Quand on photographie comme ça un bâtiment, que presque tout le monde connaît en Martinique, comment on fait pour le valoriser davantage, même si c'est une très belle cathédrale, hein, mais... Ben là, en l'occurrence, alors, il y a encore des petits détails qui nous montrent qu'on est en 2000, mais c'est vrai que l'objectif, souvent, c'est de la rendre aussi intemporelle, surtout que la cathédrale, c'est un bâtiment qui est très ancien. Le choix de laisser ces arbres, enfin, de la prendre avec un angle de vue, il y a les arbres en face, enfin, tout ce choix-là fait qu'en la travaillant avec cette couleur-là, on la rend aussi intemporelle, on accentue un peu ses traits. Ouais. Voilà, c'est un peu comme un portrait. Il y a des personnes avec qui ont des traits forts, on va peut-être les accentuer pour donner cet effet de très fort. Et pour la cathédrale, ça a été ça, quoi. C'est vrai que je l'ai déjà photographié dans plusieurs angles, des angles que je n'ai jamais vus par ailleurs, enfin, qui existent peut-être, mais voilà, ça me plaît de la photographier dans des angles différents, et voire même, j'ai eu à l'occasion de la faire le soir, parce qu'elle est quand même bien éclairée, donc voilà. Et on comprend mieux en voyant toutes ces photos, mais ce n'est pas fini, il y en a encore quelques-unes qui arrivent, que vous vous présentez comme étant auteur photographe. Alors, j'ai rarement vu ça, mais souvent, c'est photographe professionnel, ou photographe d'art, ou photographe de mode. Et là, vous vous présentez comme auteur photographe. Voilà. Donc, auteur, c'est, on va dire, l'équivalent d'un peintre, c'est-à-dire que je réalise, c'est une œuvre d'art. Aujourd'hui aussi, j'ai eu la chance de travailler dans une scène où j'ai appris à tirer des toiles sur châssis. Donc aujourd'hui, je vais jusqu'à les faire imprimer sur toile. Et je peux ainsi les tendre sur châssis. Et donc, ce qui fait que ça a encore plus cet aspect œuvre d'art, en fait. C'est ce que j'allais vous demander, c'est que vous pouvez en faire à la fois des toiles, des posters, en fait. Voilà. Est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est quelque chose que vous développez? C'est quelque chose que je suis en train de développer, voilà, à la demande. Après, ce sont des séries limitées, puisque ça reste une œuvre, voilà, ce sont des séries limitées. Mais voilà, ce sont voilà, l'auteur photographe, en fait, il réalise des photos d'art, des photos qu'on peut retrouver dans son intérieur. Voilà. La photo suivante va nous ramène un petit peu à la musique, puisque je vous laisse la décrire. Alors, cette photo, elle a une très, très... Elle évoque beaucoup de souvenirs. Alors, c'est une photo qui a été prise dans l'atelier de M. Laporte, qui était facteur de tambour, qui est décédé depuis. Et c'est une photo que j'avais prise en allant le visiter, le voir et faire plein d'autres photos dans son atelier dans le cadre de magazines qu'on avait, une amie et moi, avons sorti. Oui. Et c'est vrai que... Le magazine Archipel, on va en parler tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que là aussi, il y avait quelque chose qui se dégageait dans cet atelier. Parce que là, c'est un tambour qui est en train d'être voilà, conçu. Exactement. Voilà, exactement. Et ce qu'on voit à côté avec la flamme, en fait, c'est quelque chose sur lequel on place le tambour et en fait qui permet de cintrer en fait les lattes. Et j'avais trouvé ça magnifique. Enfin, tout était magnifique dans cet atelier. C'était authentique. Voir ce monsieur travailler, échanger avec lui, sentir l'âme qui se dégageait dans l'atelier, c'était vraiment très beau. Et là,
Oui, forcément, elle a été traitée, mais ce qui fait vraiment ressortir la photo, c'est cette flamme jaune dans un univers noir et blanc qui donne à la photo un relief extraordinaire. Oui, exactement. Et c'est vraiment montrer, faire ressortir cette flamme qui était, j'ai presque envie de dire, un peu l'âme aussi de l'atelier, d'une certaine façon, mais qui permet, qui participe à la fabrication du tambour belay, en fait. Mmh. Ouais. La photo suivante, c'est un symbole de la culture martiniquaise. Domino. Alors là aussi, je déambulais, on va dire, à Chelcher, en plus un soir. Et puis, sous un kiosque, il y a souvent, il y a des hommes qui sont en train de jouer au domino là le soir. Et voilà, j'avais fait envie de faire ressortir ça, faire ressortir ce côté traditionnel de chez nous. Le côté domino, le côté jeu, enfin voilà. J'en ai pris quelques-unes, celle-là, je l'ai particulièrement aimée. Et donc voilà, quoi. Et on voit comment aussi il a rangé ses dominos. Enfin, oui, oui. Voilà. On voit aussi la gourmette, qui est aussi un détail. Exactement. Qu'on retrouve souvent chez les joueurs de domino. Exactement. Et ça, c'est, on ressent votre volonté de faire ressortir la culture, oui, la culture martiniquaise, le patrimoine martiniquais. Voilà. Sur la photo suivante aussi, d'ailleurs. Qui nous rappelle à tous un univers très connu, celui des bien grillés. Donc, cette photo qui a été prise, entre autres, sur un tournage. Alors, elle existe aussi, hein, parce que nos marchands ont toujours ce type de panier et ce type de cornet de pistache. Et c'est vrai que j'avais envie de le faire ressortir, ces cornets de pistache qui sont bien placés dans cette corbeille. Et puis, c'est notre tradition, quoi. Et pour moi, c'est montré... que la personne qui voit cette photo, qui connaît ce... J'ai des personnes qui ont vu cette photo qui m'ont dit « Ah ouais, ça, c'est bien de chez nous, quoi. » Oui, oui, tout à fait. Voilà, tout ça fait. Leur parle, en fait. Et là, pour vous, le noir et blanc s'imposait, quoi. C'est oui, clairement. Oui, oui. Parce oui. que c'est vraiment, on se souvient, enfin, tous ceux qui consomment régulièrement des cornets de pistache, même si parfois on trouve des papiers blancs, oui. un peu parasites. Voilà. Voilà, on retrouve ce papier, une espèce de papier craft. Voilà, gris, exactement, un peu gris, voilà, exactement. Voilà, donc, on n'est pas trop loin de la couleur authentique faite du papier. Alors, on reste dans nos domaines, entre guillemets, alimentaires avec la photo suivante, là aussi, qui montre des choses bien de chez nous, des beignets. Voilà. En l'occurrence, pas des acras, ce sont bien des beignets. Hein. Oui. Voilà. Là, elle est en couleur, cette photo-là. Oui, elle est en couleur parce que là, par contre, j'avais vraiment envie... Alors, elle a été aussi prise sur un tournage de, je peux le dire, Patrick Gosselin. Et en fait, j'avais envie de faire ressortir la couleur authentique en fait, de nos beignets de chez nous. Oui. Donc là, la mettant noir et blanc. Oui, tout à fait. Et, voilà. Et puis il y a aussi le cuit, la couleur du cuit, le cuit de chez nous, en fait, qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. La cloche. Voilà, la cloche. Un peu moisi. Voilà. Sous la cloche, on ne voit pas très, très bien, mais il y a le papier, toujours ce même papier qu'on utilisait pour emballer les beignets il y a quelques années de ça. Donc voilà, donc, il fallait qu'elle reste en couleur. Et puis on termine avec, il fallait une présence humaine aussi, même si on en a vu quelques-unes à travers les mains des dominos, etc. Mais parce que vous faites aussi des photos d'artistes. Voilà. Et celle-ci, elle est... Alors elle ressemble un peu à une photo que j'ai vue de Pascal Pidibi, que j'ai reçue récemment. D'accord. Là, je n'ai pas reconnu l'artiste. Alors c'est Stella Gonis. Stella Gonis, oui. Voilà, Stella Gonis, pour qui j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses photos, entre autres pour ses albums, mais aussi lors de ses concerts, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des photos que j'aime. Pendant une période, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de concerts, surtout les concerts de jazz, parce que j'aime beaucoup le jazz et le jazz caribéen. Mmh. Et je trouvais que faire ressortir aussi les émotions en fait, des artistes à travers les photos, j'aimais beaucoup ça. Et toute la gestuelle aussi, qui est souvent fondamentale sur scène. Exactement. Donc, les couleurs aussi, parce que certaines scènes sont très, très bien éclairées. Donc... redonner ce côté les couleurs en fait authentiques en fait que la personne qui s'occupe de l'éclairage donne, donc tout ça était important pour moi. Jean-Philippe Vallard, si les téléspectateurs de Zitata veulent aller voir vos photos en dehors de toutes celles qu'on a vues déjà, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, ils peuvent les voir sur quel site? Alors, sur un site, sur un réseau Alors pour l'instant pas de site parce que je suis en train de travailler dessus, par contre les réseaux sociaux, entre autres Instagram. C'est Jean-Philippe Val, le compte Instagram Jean-Philippe Val. Et puis, ces mêmes photos sont publiées aussi sur ma page Facebook. Vous êtes content des progrès qu'a fait depuis que vous avez démarré la photo, parce qu'on voit bien que vous êtes devenu un véritable photographe d'art. Oui, oui, oui. Les progrès que j'ai... oui, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus.
parce que pendant une période, je trouvais mes photos un peu fades il y a quelques années de ça. Et j'ai beaucoup, on revient encore au côté autodidacte, beaucoup travaillé dessus, cherché à savoir qu'est-ce qui me manquait. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler dessus. Qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais. Et voilà, aujourd'hui, avec Internet, on a plein de supports pour apprendre. Donc, En tout cas, félicitations. Je pense que, comme moi, les spectateurs ont apprécié surtout cette volonté de rester ancré dans la culture martiniquaise. On passe à toute autre chose. Hein. Ce n'est pas de la photo, c'est de la politique. Bon, on ne va pas parler d'élections. Par contre, vous avez voulu, à travers cette rubrique politique, parler notamment des artisans. Voilà. Puisque, et ça va être la première photo, vous avez même créé, il y a quelques années, un magazine qui s'appelait Art, au pluriel, Chipel, dont on voit une des couvertures. Parlez-nous de cette expérience. Alors, cette expérience, elle a démarré parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres d'artisans et d'artistes aussi. Et je me rendais compte qu'ils n'étaient pas forcément bien connus du public, il y en avait beaucoup. Certains aussi avaient beaucoup de mal à se développer parce qu'ils avaient un très grand savoir-faire, mais se faire connaître et puis vendre, c'était difficile. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et l'objectif de ce magazine, c'était de faire connaître, en tout cas déjà pour commencer, les artisans de chez nous, de les faire connaître du grand public. Donc, on parlait d'artisans, on parlait d'artistes aussi. Il y a eu des personnes comme Abishag qui sont des artistes. D'art culinaire aussi, parce qu'on avait toujours une petite page qu'on voulait développer au niveau de l'art culinaire. Donc c'était ça, c'était les faire connaître. Il y a eu des personnes comme j'ai dit, Monsieur Timothy Ferguson. Et donc c'était ça, c'était vraiment les faire connaître. Et à travers ce magazine, j'ai été à la rencontre de ces personnes. Alors j'avais mis la photo un peu de côté, j'étais plus en train de m'occuper de... Voilà. Mais quand je dis que j'avais mis la photo de côté... La photo m'a aussi servi à illustrer le magazine, parce que sur ce magazine, je m'occupais de faire tout ce qui est partie photo et tout ce qui était partie infographie, donc mise en page. Et ça m'a permis de rencontrer, de faire de très, très belles rencontres, de développer certains liens avec certaines personnes et de me rendre compte encore plus à quel point on a énormément d'artisans et d'artistes dans notre pays. Et voilà, les faire connaître, pour moi, c'était primordial. C'était un projet, c'était le début de ce projet-là. Donc, on n'a pas pu continuer. Oui, parce que malheureusement, ce type de magazine coûte cher à produire, voilà, exactement, à éditer. Voilà. Donc, c'est un magazine qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a fait éditer, enfin, fait imprimer, distribuer nous-mêmes. Et c'est vrai que ça coûte cher. On voulait qu'il soit gratuit parce qu'on voulait vraiment faire connaître au maximum de personnes. On n'a pas réussi à trouver les annonceurs qu'il fallait quand il fallait. Donc, c'est vrai que c'est après un deuxième numéro, on s'est arrêté là. En voyant la photo suivante, hein, une très belle photo d'une collection de ciseaux, en fait, vous me disiez, je veux insister sur le rôle fondamental des artisans et des artistes en Martinique. Oui, parce que c'est une économie importante dans notre pays. Il y a beaucoup d'artisans. Certains artisans ont même la capacité, j'ai envie de dire, qui pourraient presque s'exporter, donc vendre ailleurs. Donc, c'est une économie à ne pas négliger pour moi. C'est une économie sur laquelle on devrait peut-être travailler plus, peut-être plus se fédérer encore. Alors, il y a beaucoup d'associations qui se sont mises en place et qui se créent encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudrait peut-être encore plus se fédérer, plus s'associer, se mettre ensemble pour avancer, pour aller un peu plus loin par rapport à ça. Là, c'est un peu un hommage à votre maman, parce qu'on a... je pense que ce sont des ciseaux de couture. Voilà, exactement. Et plus encore sur la photo suivante, qui, elle, est une vraie photo de couture, on va la voir. Parce que ça aussi, c'est de l'artisanat, mais c'est aussi de l'art, quelque voilà, part. Voilà, exactement. Oui, et... c'est de l'art. Parce que souvent, ces artisans fabriquent en quantité limitée, c'est-à-dire ils font des séries très limitées. Donc, c'est vrai que c'est... J'ai envie de dire, un artisan qui va fabriquer un sac qui est très beau, qui est en série limitée, pour moi, il a autant de valeur, voire plus de valeur encore qu'un sac de marque qu'on va trouver dans le commerce. Donc, je n'ai rien contre ce type d'article, mais je dis que c'est une économie à ne pas négliger, et surtout qu'on fait de très, très, très belles choses dans notre pays. On termine avec une très belle photo également, où là, on va plus penser à la peinture, les pinceaux. Et ça, c'est aussi peut-être pour vous d'exprimer un petit peu ce que vous auriez voulu voir faire en faveur des artistes et des artisans. Voilà. Est-ce que politiquement parlant, on parle quand même un peu de politique,
Est-ce qu'on en fait assez pour soutenir nos artisans et nos artistes? Pour moi, pas suffisamment. Pour moi, pas suffisamment. Il y a énormément aussi d'artistes ici, hein, et des lieux d'exposition, c'est vrai qu'il en existe. Hein. On a l'Atrium, il y a d'autres galeries. À Fort-de-France, entre autres, je crois qu'il y en a deux autres. Pour moi, j'aurais aimé qu'on en parle encore un peu plus. Il y avait une très belle émission sur qui existait avant en télé, qui montrait le côté artistique et tout ça, et je trouvais ça magnifique. Bon, malheureusement, elle s'est arrêtée. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements artistiques dans notre pays et on n'en parle pas suffisamment pour moi. Voilà. Oui. On sait que la Chambre de métiers, ces dernières années, notamment sous la houlette d'Henri Salomon, a fait pas mal d'efforts pour le statut d'artisan, pour améliorer un peu l'accompagnement des artisans. Peut-être que c'est politiquement, par contre, qu'il manque aujourd'hui des choses, mais aussi pour les artistes, vous êtes musicien, on se rend compte, notamment à travers la période qu'on vient de vivre ces deux ans sous Covid, que c'est extrêmement compliqué de vivre en fait, de sa passion. Oui, exactement. Et je crois qu'il y a une artiste qui passait sur votre plateau il n'y a pas longtemps, oui, Prisca, qui le disait justement. Et souvent, certains artistes sont obligés de trouver un deuxième métier, en fait, entre guillemets, à côté. Ce qui n'est pas toujours évident, quoi. C'est-à-dire que les idées, ce n'est pas forcément que sur la Martinique, ça peut être exporté, ça peut être... Donc souvent, ils sont obligés de se débrouiller un peu seuls. Certains y arrivent, d'autres pas. L'objectif du magazine, entre autres, et du projet qu'on avait autour du magazine, c'était aussi un peu ça, les aider. On peut espérer qu'il redémarre un jour ou pas? Alors, il pourrait redémarrer. Là, j'envisage éventuellement de le redémarrer sous une autre forme. Hein. Ça peut être à travers un site numérique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai déjà des personnes qui sont prêtes à écrire, à faire des photos, parce qu'il faut être un peu photographe et en même temps pouvoir écrire. Donc, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, c'est à voir. Vous, Jean-Philippe Vallard, on parle de ces artistes, même parfois d'artisans qui ont du mal à vivre de leur passion. Vous, est-ce que vous arrivez à vivre de la photographie? Alors, c'est un peu compliqué, je ne fais pas que ça, parce que, comme j'ai dit, je suis aussi professeur au Centre culturel du Lamentin. Je travaille aussi un peu avec l'Office sur certains projets d'infographie. Et puis votre compagne aussi, qui est dans la création artistique. Voilà, exactement. Donc, c'est un monde que je connais très, très bien depuis un moment et que... Voilà, et je fais partie, entre autres, d'associations comme l'association d'Annick Dultéo. J'ai travaillé avec le Gaming récemment, avec le Martisan Art. Donc, c'est un monde que je connais bien et qui mérite de se développer encore plus. Bon, en tout cas, on vous le souhaite pour vous et pour tous les artisans, tous les artistes martiniquais qui sont pétris de talent. Il faut le redire encore ici. Bon vent en tout cas. Merci. Et puis on espère vous retrouver peut-être dans d'autres circonstances, pour reparler justement de la sortie prochaine d'un archipel numérique. Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Première diffusion de ces affaires, nous, le mercredi 20h. J'avais dit 19h l'autre fois, 20h. Et puis vous pouvez aussi revoir toutes les émissions de Zitata TV sur la page YouTube de Zitata. Très bonne soirée à tous.